Vous suivez Touch by Karen avec Continental Auto. Récemment, une première projection sera le 20h. Ce sera une projection spéciale couple. Vous pourrez regarder un film romantique tout en dégustant nos plats ou un popcorn ou une boisson. C'est une idée qui est venue d'Asie où on pouvait manger en même temps que regarder un film, boire du vin ou être avec sa conjointe ou son conjoint. Et cette année, nous allons, pour la première fois, ouvrir le cinéma. Donc, venez nombreux pour faire des réservations. Je pense que le mieux, ce sera de contacter sur notre page Facebook. Et comme ça, on va pouvoir se préparer. C'est pas un spécial film, c'est pas tous les jours, mais c'est maintenant. Donc, je vous invite moi à venir ici pour ne serait-ce que tester aussi. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la musique sur ses groupes. Vous allez voir durant l'émission comment porter votre musique. Ou choper la jupe et à la fin une petite vidéo où vous pouvez confectionner vous-même votre jupe. On commence tout de suite la première partie de l'émission, l'anthologie. Voici venu l'été et le moment où nos gambettes ne demandent qu'à prendre le soleil. Mais voilà une question qui nous taraude. Quelle sera la jupe qui deviendra notre meilleure amie? Nous donnera un corps de déesse et fera tomber ses mâles comme des mouches à nos pieds. Morphologie triangle. Tes hanches en imposent, bonne nouvelle, les jupes sont faites pour toi. Tu as l'embarras du choix. Jupe patineuse, jupe trapèze, jupe tulipe, jupon resserré aux hanches, jupon asymétrique. Les jupes qui te vont le mieux sont assez cintrées au niveau haut des hanches pour s'évaser vers le bas. Si tes cuisses sont fines, dirige-toi vers les jupes évasées au-dessus du genou. Si tes cuisses sont plutôt épaisses, choisis-les au-dessous du genou. Taille haute et accompagnée d'une ceinture si ta taille est fine et de talons hauts. Par contre, évite les tissus trop raides, les imprimés ou les couleurs flash au niveau des hanches. Les jupes droites, les jupons trop courts, les jupes boules ou froncées qui tassent la silhouette. Morphologie en triangle inversé. Tes jambes sont fines, il faut donc les mettre en valeur avec des jupes courtes et féminines. Des jupes boules évasées ou à frou-frou qui donneront du volume à tes hanches et rééquilibreront ta silhouette. Astuce. Détourne l'attention du haut du corps en portant des jupes colorées et ou avec imprimé. Chausse plutôt des chaussures plates. Évite les jupes trop cintrées qui accentueront le déséquilibre entre le haut et le bas de ton corps. Les jupes droites, surtout si elles sont très longues. Morphologie en 8 ou le sablier. Tu représentes l'idéal féminin. Tu peux donc papillonner sans avoir besoin de masquer tes formes. Mais veille à ne pas les accentuer et à ne pas déséquilibrer ta silhouette parfaite. Choisis des jupes qui accentuent la minceur de ta taille et la longueur de tes jambes. Par exemple, une jupe crayon taille haute et au genou, assortie d'une jolie ceinture et accompagnée d'un t-shirt pour atténuer le côté strict. Évite les jupes trop larges, les jupes boules et les jupes trop cintrées au niveau des hanches.
Ta morphologie est le rectangle. Ton but est de montrer tes jolies jambes sans marquer ta taille et d'ajouter des formes au niveau des hanches. Si tu as des jambes fines, tu peux porter des jupes aussi mini que tu le veux. Si tes cuisses sont musclées, choisis une jupe au mollet. Évite les jupes droites, les accessoires rendant la taille plus épaisse. Tu es ronde, les jupes trapèzes à taille haute te vont à ravir. Elles mettent en valeur ta taille en affinant ta silhouette. Nous allons passer à la prochaine vidéo de l'émission. Je suis Trèves. Vous nous invitez, vont vous montrer comment elles portent leurs jupes durant cette été 2014. Que j'ai une marque qui s'appelle Pearl Twins et je suis invitée par Karen pour présenter mes produits. Je suis consultante en tourisme et j'aime la mode artistique. Je crée des bijoux aussi bien de fantaisie que des bijoux en pierre. Comme le thème d'aujourd'hui est jupe, donc je vous ai amené une jupe assez simple, assez longue, mais avec un peu de design que j'ai créé moi-même. Je vais vous montrer la jupe en photo. Donc, j'ai fait un dessin de fillette en train de cueillir les fleurs. Et j'ai utilisé, en fait, ça a l'air d'une broderie, mais en fait, j'ai utilisé des petites cordes. Et donc, avec la corde, j'ai suivi tout le dessin pour donner un relief et donner une impression assez particulière à la jupe. We can lighten it up if you've had enough. Well, you can empty your glass and we can fill it back up. You know it's up to us to make it all up. So what you making up, I can make it up. À l'ISCAM et en même temps je travaille comme modèle photo. Je suis une adepte de mode, j'adore tout ce qui est mini et aujourd'hui Karen m'a invitée dans son émission pour parler des jupes. En tant que côtière, j'adore tout ce qui est mini, alors je vais vous présenter ma mode à moi en mini jupe. Voici donc un exemple de jupe que j'aime beaucoup. Elle est en jean et style salopette. Je le mets généralement quand je suis à la côte vu que c'est un peu court, avec des talons hauts de 13 cm noirs. Voyons donc ce que ça donne en photo. He's calling out your name. Hiding under the covers with no one else to blame. Oh, you couldn't help out your own name. You couldn't tell it to me. Bonjour, je m'appelle Lauriane. J'ai 20 ans, je suis étudiante en communication. Alors, je suis une grande passionnée de mode. Aujourd'hui, Karen, elle m'a invitée dans cette émission pour que je vous montre comment moi je porte mes jupes. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de porter une jupe avec des motifs géométriques, noir et blanc. Et puis, pour le haut, je vais mettre une chemise plus simple et plus légère, que je vais mettre avec des ballerines. Je vais tout de suite vous montrer comment ça donne en photo. Je
pour cet été 2014. Donc je vous conseille vivement de la voir dans votre piscine. J'espère que nos conseils vont vous aider justement à avoir la jupe qu'il vous faut et qui vous va surtout. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, suivez-nous toujours sur Facebook. Au revoir. Yeah.